Eh bien salut tout le monde, c'est vrai que j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, partie 7 de notre aventure sur God of War 3. La dernière fois on est arrivé ici après avoir subi les provocations d'Hermès. Hop, je crois qu'on va passer. Ok, on grimpe directement. No time. We have no time. D'accord. Que va-t-il se passer? Rien du tout. Parfait. C'est juste qu'il voulait nous passer le fait qu'on a grimpé pendant 3 ans. Ah, je crois que vous vous souvenez de cet endroit-là, c'est dans l'épisode 1, effectivement. Là, on voyait le petit pupitre avec marqué chaîne du pouvoir. Effectivement, on est... Wow, on grimpe. Alors là, à part appuyer croix, les gens, je fais pas grand-chose. D'accord. Ok. Ok. La flamme de l'Olympe, sérieux. On est déjà... La poignée de la manivelle est rétractée, elle ne peut pas être utilisée. Ah, attendez, là je sens le fight quand même. Parce que c'est une grande zone, qu'est-ce qu'on a là? Je vais reprendre la magie. Est-ce que c'est une bonne idée à prendre maintenant? Je sais pas. Cette porte est verrouillée. Parfait ça. Parfait, parfait. Il y a des pupitres partout. Attendez, on va. Comment on fait pour changer? On regarde quand même, on sait jamais hein, s'il y a des murs cachés et tout. On sait jamais, on sait jamais. D'accord, donc... Oh putain, les gars, ça pue. Ça sent le fight. Ça sent le fight. Écoutez, je vais quand même aller voir là. À la boîte de Pandore, la voilà. La boîte de Pandore. Qu'est-ce que cela signifie? Tes yeux ne te trahissent pas, Kratos. C'est la boîte que tu as ouverte il y a longtemps. Elle renferme encore le pouvoir de tuer un dieu. J'ai libéré ces pouvoirs lorsque j'ai tué Arès. Non. À l'intérieur de cette boîte, le pouvoir est plus grand. Et il fait défaut à ce monde. Tout a commencé quand Zeus a triomphé des titans lors de la Grande Guerre. Zeus a compris que si les mots nés de cette bataille étaient libérés, il détruirait le monde des hommes et des dieux. Pour contenir ces mots, Zeus a demandé à Héphaïstos de construire une boîte suffisamment robuste pour les retenir. La peur, l'envie, la haine. Il a verrouillé ces mots à l'intérieur en espérant qu'ils n'infecteraient plus jamais son règne. Quand tu as ouvert la boîte pour tuer Arès, tu as utilisé les pouvoirs interdits. Après avoir été témoin de ta victoire, Zeus a eu peur. Mais la flamme est mortelle. Comment puis-je récupérer la boîte? Grâce à son homonyme, Kratos. Pandore. C'est la clé pour détruire la flamme. La clé de notre vengeance. Ce sera difficile, Spartiate. Ce n'est pas une enfant qui va m'arrêter, Athéna. J'espère que tu as raison, fantôme de Sparte. Elle est en train de nous mytho, les gars. Mais devant notre nez, elle est en train de nous mytho. On a déjà ouvert la boîte. On a déjà ouvert la boîte. Bon, bref. On verra bien. Je me souviens plus exactement, mais... À mon avis, là, il y a du mytho dans l'air. Hein. Il y a du mytho dans l'air. Je me souviens plus exactement de cette... Pour orienter le rayon. Et révéler les secrets divins. Près d'une poussière dorée. D'accord. Bon, il y a du mytho dans l'air, les gars. C'est pas possible. On a déjà ouvert la boîte, effectivement.
Je comprends pas comment il peut encore rester quelque chose dedans en fait. Plongé dans le chaos, les humains ont payé le prix fort pour la mort de Poséidon, Hadès et Hélios. Effectivement, les terres ont été englouties sous les flots, le ciel s'emplit de nuages menaçants et de terribles tempêtes. Et il n'y a plus. Et il n'y a plus de soleil. Donc voilà, en fait, tuer les dieux, bon, ça va mener au chaos. Écoute, effectivement, près d'une poussière dorée. Ok. Sans vampire de mots visibles, ok. Ça n'a strictement aucune utilité. Du coup, ça. Si je fais ça. Ah, d'accord, ok. Ok. Ah oui, voilà. Ok. Équipement du fardeau. Portant le fardeau du poids de l'Olympe, l'équipement du fardeau est difficile à déplacer. Il y a un grand sacrifice pour libérer le cœur du labyrinthe. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Cœur du labyrinthe. Dans le cœur du labyrinthe bat une passion assez puissante pour éteindre la flamme de l'Olympe et pulvériser le pouvoir qu'elle renverse. Qu'elle renferme. D'accord, fort bien. D'accord, d'accord. Ici, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Les muses. La musique révèle des secrets à ceux désireux de les entendre. Accompagnez votre voix, le chant des muses. Et... accompagné de votre voix, les chants des muses et déchargé au l'un de son fardeau. Ah. D'accord. Bon, bah. Fight. Hein. Tu as peut-être une force bestiale, mais tu manques de vitesse. Oh non. Ils ont fait exprès pour qu'on puisse pas le. Tu as été chanceux au combat, Spartiate, mais ta chance va tourner. Pas que de la chance, mon pote. Si t'arrêtais de fuir, qu'est-ce que t'en penses? Comment oses-tu croire que tu pourrais m'attraper un jour? D'accord. Quelle lenteur! Ok. Ah, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu. Oh, excusez-moi les gars, c'est juste que je passe. Mortel. Fais pas trop le malin quand même. Ah, d'accord. Ok, très bien. Genre un truc assez vicieux là, qui nous laisse pas beaucoup de répit. Allez, let's go. Ah, dommage. Ah, t'es pas si impressionnant que ça à niveau vitesse, Hermès, hein. Je m'attendais quand même à un truc un petit peu plus, fusée, quoi. Presque spartiate, mais tu devras faire mieux. Enfoiré, là. Enfoiré. Putain, je l'avais.
Ah, on pouvait pas l'accrocher, on peut vraiment pas l'accrocher, je crois, en fait. Ah, toi. T'es mort, mon pote. T'es mort. Hop. Tu laisses les gens tranquilles. Je dis ça. Wouhou. Je peux quand même le viser l'arrière mèche. Je pourrais quand même le... Non, on va le faire chier. Je le sens qu'on va le faire chier tout ça. Mortel fainéant. Bon, Hermès, ça suffit. Ça suffit maintenant. Bien essayé, Kratos. Tu y étais presque. Ok, donc faire pop des mobs, bien sûr. Putain, n'empêche. Je kiffe ce move. Bon, ça fait trop de dégâts. Le spam, hein, écoutez les gars. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Il y a un truc à faire là, je pense. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Faut encore que je révèle un truc. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu l'échelle. Tes jambes sont aussi lentes que ta tête. Non mais oh. Je vous en prie, monsieur. Provoque, provoque, t'inquiète. Là, pour l'instant, tu fais que fuir, mon pote. Hein. Tu m'as vu, Spartiate. Et si on... Attends, en plus, on pourrait tellement la voir. La statue d'Athéna. Allez, Kratos. Oh, je sens qu'il aurait pas dû se mettre là-haut, lui. Oh, la catapulte dans la gueule. Tu disais? Tu disais? Ah, vas-y, fais le mariole. Reste bien panqué sur la tête de la statue, là. Comment on fait pour... Voilà. Vas-y. Reste bien panqué, mon gars. Vas-y, vas-y. Et voilà, quel bon boum. Là, on fait moi son malin. Là, on fait moi son malin, pote. Et encore un truc de détruit en plus. On fout vraiment la merde. On fout vraiment la merde. Ah, attendez. Bon, y'a rien là. Ok, on va casser ça déjà. On a des pots. Surtout pas oublier de casser les pots. Ah, pièce d'Hermès, un objet de valeur. Finir le jeu pour... D'accord. Quoi ça nous aide du coup? Quoi est-ce qu'on est avancé? Il y a du sang là. Je pense qu'effectivement il est passé par là du coup. Ah. Je ne serai pas vaincu par un simple mortel. On va voir qui c'est le mortel.
Alors, mauvais. 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 Où il est. Ah putain, on peut pas le. Ok. Il est mauvais, hein. C'est quand qu'il meurt concrètement. Il est bugué à moitié là. Ah merde. Kiffe pas, hein. Il est mauvais. Eh, il est mauvais, les gars. C'est quoi ces flèches dans le vide là? Oh merde, c'est faut être vachement rapide. Peut-être plus rapide, mais pas très résistant et surtout il fait pas très mal, monsieur. Fais le malin, fais le malin. Prends ça dans ta gueule. Ouh, t'es dans la merde, hein. Toutes les flèches que tu t'es pris, mon pote. Je pensais que les Spartiates combattaient avec honneur. Et tu essaies de me tuer alors que je n'ai aucun moyen de me défendre. Oh, c'est injuste. Mais tu as ton propre sens de l'honneur, n'est-ce pas, Kratos? Et qu'est-ce que l'honneur t'a apporté? Rien que les cauchemars de tes échecs. Aujourd'hui, tu me bats peut-être. Mais en fin de compte, Kratos, en fin de compte, tu ne trahiras que toi-même. Ouais, enfin bref, t'es mort, quoi. Et une jambe en moins. Ouh. Ouh. Ça fait mal, hein. Et ça va être la deuxième. Et c'est le... Ah, ça doit faire mal, il fait bien souffrir, là. Wouhou. Bon, je crois que tu vas pouvoir courir un peu moins vite d'un coup. Bon ben voilà, on va pouvoir foutre encore plus le bordel. Alors... D'accord. D'accord, ok. Ok, je vois. Alors ouais, c'est peut-être pas mal, mais... Enfin, je vois pas trop l'intérêt, en fait.
pas de dégâts limite. Ok. Ok. Je trouve pas ça ouf perso. Je trouve pas ça si ouf que ça. Je sais pas pourquoi ça me fait courir que dans un endroit. D'accord. Pourquoi je peux pas courir de ce côté là en fait? Ok. Pour courir sur les murs. Ah ouais, carrément sur les murs. D'accord, ok, voilà pourquoi. Ah oui, d'accord, je me souvenais plus du tout de ça. Ouais, carrément. Carrément, on est des ninjas là. Eh ben les gars, ça rigole zéro hein. Ah d'accord, cool ça. Ça c'est bien ça. On va pouvoir aller dans le dos des ennemis. Ça c'est plutôt pas mal. Écoutez, est-ce qu'on est loin du level max des lames là? Parce que je voudrais je voudrais monter les lames de l'exil à fond. Après je montrerai les lames, les... Je vais montrer les griffes d'Hadès qui sont effectivement, qui ont l'air assez intéressantes hein. Vous inquiétez pas, je les utiliserai bientôt. Dès qu'on aura un petit peu plus monté tout ça, ça peut pas tarder. Il va falloir utiliser les bottes, je pense, là. Alors, tac. Un petit coffre. On n'est pas loin des 8000, on est pas loin des 8000. Hein. Ok, un petit peu d'or, ça fait plaisir. Il y a des coffres partout. C'est plutôt pas mal. Ok. Ok. C'est abusé. C'est abusé, putain. C'est abusé, ces trucs. Ok. Oui. C'est ici, c'est où je dois aller là. Ah, il y a un coffre là, attendez, attendez, attendez. On a un coffre. Et une plume du phénix, et plus de magie, c'est bon ça. On en a loupé pas mal, hein, c'est dommage. Hein. Effectivement, parce que ça va monter notre magie à fond. Ouais, par la même occasion, c'est plutôt pas mal ça. Alors par contre, j'aimerais juste savoir comment... Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Tac, ok. Ok. On escalade comme ça sans aucun problème, plus rien nous arrête maintenant. Hein. Oh putain. Non! Dommage. Ok. Ah merde, c'était un citoyen. Fuck. Bon, il m'a redonné une orbe. Attends, bleu, vert. Bleu, vert, ok. Ça ne m'intéresse pas. Ça va être le fight. Qui c'est ce noob là? Qui c'est ces noobs? Qui c'est ces noobies? Et boum! François ça dans ta gueule. Alors, on fait les mariens? Les marioles? J'aime ce combo là. Tiens, toi tu prends ça.
Et boum, ouvert en deux, allez boum, ouais j'ai pas le time. Aïe. C'est tellement efficace ce truc, c'est abusé. C'est abusé comment c'est efficace le triple triangle là. Ah. Ok. Toi t'es un petit peu plus énervé que les autres je vois. Ok. Pas grave. Déjà ? Raté. Ok. What, déjà ? Ah oui, ça a été rapide quand même, hein. Je pensais quand même qu'on allait le tuer. Ah d'accord, il y en a encore 10 000. Ok, parfait. Ah d'accord ! Parfait ! Prenez bien, le mec. C'est pas grave. D'accord. Super. Bon, de toute façon, on a un coffre là-bas de magie. On va rester 22. Toi, t'es mort. Voilà, je crois qu'il va nous donner des orbes de vie, non? Ah d'accord, putain, il fait mal ce fou. Il fait mal. Bon ça va parce qu'il est quand même assez facile à tuer, tu restes à distance. Ouais. C'est pas toujours... Voilà, dégage. Qu'est-ce qui va se passer encore? Encore un boss? D'accord, la porte est ouvrable. Parfait. Parfait, parfait. Écoutez, est-ce qu'on a... On a plein de coffres là. C'est plutôt pas mal tout ça. On va prendre ça. Oh ouais, pff, parfait pour augmenter la rage de Sparte ça, non? Ça augmente quoi ça? Non, notre jauge de... Parfait, bah écoutez. En un épisode on a quand même plutôt... Oh, est-ce qu'on va pouvoir améliorer en plus nos lames? Alors, malheureusement, putain, on est vraiment pas à grand chose. C'est dommage. On va juste aller chercher le coffre qui est là-bas et je pense qu'on va s'arrêter ici. On aura tué Hermès, on est encore un dieu. Alors du coup, ça a foutu quoi le bordel avec Hermès? Parce que bon, Poséidon, ça fait monter le niveau des eaux. Du coup, là, je vois pas si c'est vert, si c'est bleu. Allez, on va voir quand c'est vert. Hop. Je sais pas trop, je crois qu'Hermès c'était le dieu du commerce, du vent et de la vitesse je crois, donc je sais pas trop ce que ça a foutu comme bordel en le tuant. Bref, on verra ça dans la suite bien évidemment. Oui, il y a des mouches partout, c'est ça ouais. Je crois que c'est ça que ça a fait, il y a des espèces de moucherons partout. On verra ça en tout cas dans le prochain épisode. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cet épisode comme d'habitude. Un like, un commentaire, ça serait super. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je vous dis portez-vous bien et ciao.